faire une précédente. J'avais déjà de faire ça. Madame. Vous savez, juste quelques jours avant la Révolution française, Louis XVI n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait. Et il reçoit le duc de Liancourt, qui est venu un petit peu le mettre au courant des événements. Et le duc était beaucoup plus inquiet. Et le roi regarde le duc et lui dit... Dites-moi alors, c'est donc une révolte? Et le duc lui dit, hélas, non, sire, c'est une révolution. Et c'est vrai que les révolutions ne se laissent pas facilement reconnaître. En revanche, une révolte, c'est plus facile, puisque la révolte, c'est tout à fait visible, c'est de la colère, c'est des cris, c'est des manifestations spontanées, non préméditées. C'est un peu ce qui s'est passé d'abord en Tunisie et ensuite en Égypte, parce qu'on a beaucoup parlé de révolution, or ce mot est impropre, parce qu'une révolution nécessite un certain nombre d'éléments pour la définir. D'abord, il faut qu'il y ait une idéologie qui la soutient, qui la charpente, un leader, une préparation, un parti politique, enfin bref, tout. Par exemple, quand Khomeini a pris le pouvoir en 1978 en Iran, on voyait bien que c'était une révolution, parce que d'abord c'était un changement de régime, mais en même temps, quelque chose qui a été préparé bien à l'avance, puisque Khomeini est arrivé et toutes les infrastructures du nouvel État étaient mises en place, y compris les exécutions sommaires, le nettoyage de l'entourage de Khomeini, je ne parle pas bien sûr de ceux de l'ancien régime. Mais la révolution, c'est aussi, ça se définit aussi par l'exécution de ceux qui, d'une partie de ceux qui l'ont fait. Alors, nous sommes aujourd'hui à un an et quelques mois du début de ces révoltes, mais révoltes qui étaient toutes parties d'un même sentiment, le sentiment d'exaspération, parce qu'il y a eu trop d'humiliation, trop de mépris, trop de répression et trop de méconnaissance du droit et de la justice dans ces pays. Alors, pourquoi la Tunisie? Pourquoi c'est après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi et pas d'autres immolations par le feu? Parce qu'il y a eu d'autres suicides aussi bien au Maroc qu'en Algérie, qu'en Tunisie, qu'en Égypte. Pourquoi c'est le 17 décembre qui va être le point de départ de cette révolte? Ça, ce sont des mystères de l'histoire, personne ne peut répondre, mais c'est ainsi. Mohamed Bouazizi va devenir un symbole, à son corps défendant, le pauvre, parce qu'il n'était pas du tout né pour devenir un symbole, il était né pour faire des études et pour travailler normalement. Mais il a été l'exemple même d'un homme du peuple qui va être méprisé, on va lui cracher sur le visage, parce qu'il essayait de vivre en vendant des fruits et légumes dans une vieille charrette, et ça, malgré les diplômes qu'il avait obtenus. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, assez courant. Vous voyez par exemple en Égypte des diplômés chauffeurs de taxi et parfois même guides dans des monuments historiques, et alors qu'ils ont fait des études d'ingénieurs, des études poussées, mais le fait est que le pays n'a pas été, tous ces pays-là n'ont pas été structurés dans un sens rationnel pour permettre évidemment que ceux qui ont fait des études puissent tous en tout cas jouir de ces études et rendre service à leur pays. Alors, quand on parle du printemps arabe, moi je suis un petit peu réservé parce que autant au début nous étions tous émus et contents de voir certains de ces pays débarrassés d'une
vraiment de dictatures, pas uniquement les dictatures qui ont réprimé et qui ont tué, mais aussi les dictatures qui ont volé. Parce que ce soit Moubarak ou Ben Ali ou Kadhafi, ce sont des gens qui ont toujours considéré le pays comme leur maison propre, leur villa, leur banque, leur propre territoire. Et ils n'ont jamais fait la différence entre l'État et eux-mêmes. Et donc, quand on apprend que tous ces gens-là ont mis de côté des milliards et des milliards de dollars pendant que le peuple, évidemment, vit dans une misère terrible, notamment en Égypte, alors on est un petit peu dégoûté. Dégoûté pourquoi? Parce que tout cela, nous le savions. Et je pense qu'il y a eu des journalistes très courageux qui ont fait leur travail, que ce soit les journalistes occidentaux, les journalistes locaux, égyptiens et tunisiens. Certains ont payé de leur vie le fait d'avoir dit certaines choses. Certains, il y a eu des livres qui ont été écrits sur tous ces pays, et pourtant l'Europe, l'Europe démocratique, l'Europe des droits de l'homme, a toujours tendu la main, non pas au peuple, mais à ses dirigeants. Et nous avons évidemment, bon, ça c'est ce qu'on appelle la réelle politique, nous avons vu comment des dictateurs comme Kadhafi, surtout folklorique, a été reçu aussi bien à Paris qu'à Rome, qu'en Espagne, l'Espagne socialiste, et comment on voyait très bien que c'était vraiment un ubu roi, une sorte d'homme pathogène. Et malgré tout, pour les intérêts soi-disant économiques, on l'a reçu. Alors, printemps, moi je dirais, bon, changement de situation, changement de régime, changement de système. Et puis, ce mot de printemps arabe, c'est vrai que c'est commode pour désigner ces révoltes contre l'humiliation. Mais il faut rappeler une chose, c'est que le monde arabe en tant qu'entité n'existe pas. Il est divers et semblable, il y a plusieurs États dans ce pays arabe, à peu près 21 États, divisés, ils sont tous divisés, se haïssent les uns les autres tranquillement. Je donne plein d'exemples, il y a eu des haines ancestrales entre l'Égypte et le Yémen, il y a même eu une guerre entre l'Égypte et le Yémen dans les années fin 50. Nasser a engagé des sommes fabuleuses pour faire la guerre au Yémen, et on a tous oublié cela, il y a eu des dizaines de milliers de morts, ça a été oublié. Des haines ancestrales entre l'Irak et la Syrie, des haines ancestrales entre la Syrie et le Liban, qu'elle occupait et d'où elle est sortie en 2005, mais en sortant en 2005 du Liban, elle a quand même pu assassiner le président Hariri et bien d'autres intellectuels, dont mon ami Samir Khassir, qui a été exécuté en juin 2005 pour avoir écrit un article pour dénoncer la dictature syrienne. Donc, venons au Maghreb, il y a bien une union du Maghreb uni qui est sur le papier, qui n'a jamais existé. Nous avons l'Algérie et le Maroc avec des frontières fermées, même quand le Maroc propose l'ouverture des frontières de l'autre côté, il y a une mauvaise volonté. La Tunisie, au milieu, là, elle essaie un petit peu de vivoter. La Libye, on sait ce que c'est même pas un État. C'est pas une nation, c'est un assemblage de tribus. Et puis la Mauritanie, elle est dans une pauvreté connue et qui cède à l'influence de celui qui l'aide le mieux. Donc, quand on parle du monde arabe, alors j'ai oublié bien sûr le pays du Golfe, qui font beaucoup parler d'eux, mais le pays du Golfe n'existerait pas sans la manne pétrolière et gazière. Et ce qui fait que, avec tout cela, on dirait que, il y a des centaines de millions d'Arabes, mais ils sont tous divisés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? La langue, même pas. Et la langue classique, celle avec laquelle nous écrivons des livres, mais les livres ne circulent pas d'un pays à l'autre. Si vous publiez aujourd'hui un livre à Rabat, vous ne le trouverez pas à Alger ni au Caire. Et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? L'islam? Oui, ça c'est vrai. L'islam, rien dans le monde arabe. Mais il y en a qui sont des chiites, d'autres qui sont des sunnites, mais les sunnites sont en majorité. Mais cet islam a donné quand même
d'extrémisme inquiétant, parce que les pays du Golfe, surtout l'Arabie Saoudite, le Qatar, et enfin la plupart des pays du Golfe, suivent le régime wahhabiste, qui est, wahhabiste, c'est un système très dogmatique, fanatique, qui a été, c'est l'idéologie d'un philosophe du 8e siècle, qui s'appelle Mohammed Abdel Wahhab, le wahhabite, et c'est un dogme extrêmement féroce. Ils appliquent la charia, et en même temps, vous avez tous ces pays qui sont dans une sorte de modernité, tapageuse. Vous voyez un peu la montée en puissance actuellement du Qatar qui s'incruste un peu partout. Mais en même temps, quand on est dans le Qatar, à l'intérieur, dans le pays que j'ai connu, que j'ai visité, vous avez le système wahhabiste qui guide les musulmans de ce pays comme l'Arabie Saoudite, et en même temps vous avez un traitement des immigrés qui font le pays, qui construisent le pays, les immigrés philippins, pakistanais, indiens, qui est un des traitements les plus odieux qu'on connaisse. Donc ce monde arabe extraordinairement compliqué, divisé, qui ne représente pas une entité, aucun pays arabe n'a réussi une fraternité, une union avec son voisin. Et c'est dans ce monde arabe que la première chose qui va arriver, et qui va peut-être être le point de départ d'un renouveau, ce sont ces révoltes. Alors, commençons par la Tunisie, parce que c'est par elle que tout a démarré. La Tunisie est un petit pays auquel on ne pensait pas du tout comme leader de ces révoltes. Alors, un an après, qu'est-ce qui s'est passé? Un an après, eh bien, ce pays qui a été épargné par l'islamisme pendant plus de 25 ans, eh bien, c'est l'islamisme de Narda qui a un parti politique qui était en exil à Londres, enfin, son chef, Hanouchi, était en exil. Eh bien, c'est ce parti que les élections vont porter pour une constituante. Et la constituante est en train d'inscrire la charia dans cette constitution pour diriger le pays. Alors, la charia, il faut vous expliquer ce que c'est. C'est simplement une doctrine qui est l'application des lois religieuses comme on les appliquait au 7e siècle, c'est-à-dire au temps du prophète. C'est-à-dire, le voleur qui a volé, on va lui couper les mains, la femme qui adultère, on va la lapider, la polygamie est autorisée, la répudiation est autorisée. Donc, on est dans un système social qui est basé sur une irrationalité totale et surtout un mépris profond de la condition non seulement de la femme, bien sûr, mais de l'être humain en général. Donc, aujourd'hui, inscrire la charia dans la Constitution est une façon de revenir vraiment en arrière. C'est ce qui se passe actuellement en Tunisie, avec cependant quelque chose qui fait plaisir, parce qu'il y a la société civile qui est laïque. Parce que la Tunisie a un passé intéressant, laïcisé par son ancien président, pas celui Benali, mais celui qui est avant, Bourguiba. Bourguiba a été un type très bien, avec bien sûr les défauts de tous les hommes politiques qui se croient indispensables et éternels. Donc il a fait les choses bien pour son pays, il a libéré la femme, c'est-à-dire qu'il a doté la femme de conditions et de droits quasi les mêmes que pour les hommes. Il a osé boire un jus d'orange en plein ramadan pour démontrer que le ramadan, le mois de jeûne, démolit l'économie du pays. Il a fait des choses assez révolutionnaires. Et puis en 65, à Jéricho, il avait fait un discours pour demander aux Arabes de reconnaître l'État d'Israël et de faire la paix et de vivre en paix avec, évidemment, en 65, les Palestiniens avaient des territoires qu'ils n'ont plus aujourd'hui.
Enfin, donc ce pays laïcisé a donné quand même une société civile laïque qui aujourd'hui se bat contre ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire cette constituante où les islamistes sont en train de diriger le pays. Bon, mais on verra ce que ça va donner. Alors, je voudrais quand même dire un point, parce que j'ai lu, enfin on a tous lu, que c'est la démocratie qui a donné ces résultats. On dit que la démocratie a fait venir au pouvoir les islamistes, que ce soit au Maroc, en Égypte, en Tunisie, et bientôt en Libye, s'il y a des élections. Alors, moi je dis que ce ne sont pas des élections démocratiques. Je ne veux pas dire par là qu'il y a eu du trucage, pas du tout. Ça s'est fait dans la transparence. Mais, pour être démocratique, il faut quand même avoir reçu une certaine culture, une pédagogie démocratique qui fait qu'on apprend à vivre et respecter certaines valeurs. Or, la démocratie en tant que système culturel et politique n'a pas encore eu le temps de s'implanter dans les sociétés arabes. Aucun État arabe aujourd'hui ne peut dire « je suis un État réellement démocratique » parce que c'est une question de temps. Il faut qu'il y ait au moins une génération ou deux pour que les gens sachent ce que c'est que la démocratie. La démocratie ne suffit pas d'aller voter. Autrement dit, la démocratie n'est pas une technique, c'est-à-dire qu'on va mettre un vote dans l'urne. C'est une des expressions de la démocratie. Mais derrière, il y a une culture qui n'a pas été enseignée. Or, tant que dans les écoles, dans les manuels scolaires, dans les instances populaires, il n'y a pas une éducation démocratique, on ne peut pas parler de démocratie. Et encore une fois, le fait que les islamistes arrivent en majorité ne veut pas dire qu'ils sont arrivés parce que le peuple a réellement compris ce que c'est la démocratie. Et puis, dans tous les cas, y compris d'ailleurs en Égypte, très peu de gens ont voté. Et le fait qu'ils ne votent pas, ça veut dire que le virus, entre guillemets, positif, la démocratie, ne les a pas encore infectés dans le sens positif, bien sûr. Donc nous sommes dans une situation où les populations ont été, pendant des décennies, totalement mises à l'écart du système démocratique, et du jour au lendemain arrivent des révoltes, on dit maintenant vous allez voter. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes dans une situation quasi des années 30 en Allemagne, où en 32, bon, le chancelier qui a été élu démocratiquement, mais techniquement, ça a été quand même Hitler. Alors, je ne fais pas de comparaison, mais je dis simplement la technique peut parfois être aberrante. Et on a vu aussi comment des grandes démocraties comme les États-Unis ont pu détourner la démocratie, comme dans le cas de George Bush, où l'élection a été totalement manipulée par des calculs plus ou moins foireux. Donc, la démocratie, c'est une bonne chose. Encore faut-il se méfier des travers et de la possibilité qu'on a de la détourner. Donc, l'Égypte, maintenant j'arrive à l'Égypte, parce qu'après la Tunisie, nous sommes dans une situation d'instance où, apparemment la constituante va proposer une nouvelle constitution où nous verrons, bien sûr, certaines valeurs islamiques mises en avant. Alors, l'Égypte, il s'est passé quelque chose dans ce pays de 84 millions d'habitants, qui est le plus grand pays arabe. Il s'est passé quelque chose que ni la presse ni les observateurs n'ont réellement dit. Il y a eu un coup d'État militaire. Parce que Moubarak n'est pas parti uniquement sous la pression de la place Tahrir. Évidemment, la place Tahrir était un moyen de pression extraordinaire. Mais il n'était pas suffisant pour que ce raïs puissant, qui a manipulé la corruption comme il voulait, qui a volé énormément, avec son fils, avec sa femme, etc. Non, ça ne suffisait pas.
Ce qui s'est passé, c'est que l'armée a fait un coup d'État, lui a dit maintenant, on te donne la possibilité de t'en aller. Ils l'ont mis dans un avion et il est parti dans le sud du pays. Depuis, eh bien, c'est l'armée qui tient les rênes du pouvoir. La preuve, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, l'armée a tiré sur la foule. Et il y a eu en plus un certain nombre, presque 15 000 arrestations d'hommes et de femmes égyptiens manifestants et qui ont été passés par des tribunaux militaires d'exception où ils sont maintenant en prison. Il y a eu énormément de pression militaire sur les partis et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les frères musulmans qui, donc, lors des dernières élections, d'ailleurs des élections très compliquées. Si vous voyez un peu, c'est pas comme en France, il y a une liste, on vote, et puis voilà. Non, c'est extrêmement compliqué, ça se passe par plusieurs étapes. Moi, j'ai pas réussi à comprendre tout le déroulement des élections législatives égyptiennes. Je ne sais pas comment le paysan du Nil va comprendre comment ça se passe. Alors, j'ai vu des listes où il y a des signaux, enfin des signes, des symboles, l'âne, la fleur, je sais pas moi, le tracteur, chacun. Bon, mais pour vous dire un peu quand on est dans un pays où quand même les gens ne sont pas tous alphabétisés, la démocratie peine à pouvoir s'exercer réellement. Deuxième point à propos de cette histoire de l'armée, c'est que l'armée égyptienne, qui a à peu près 465 000 soldats, à peu près, qui sont plus évidemment les réservistes et tout ça, bien, on a découvert que cette armée, grâce à Moubarak, ne s'occupe pas de ce qui est militaire. Elle fait des affaires et elle dirige une économie parallèle estimée à 25% de l'économie du pays. C'est-à-dire vous avez un général ou un lieutenant ou un capitaine qui est en même temps capitaine le jour et le soir, il dirige, enfin, l'après-midi, il dirige une usine de poulet, l'autre dirige une usine textile, l'autre fait du business avec des pièces de rechange, le troisième, il vend et achète des choses à la Chine. Bref, ils sont dans une sorte d'une économie qui est parallèle, mais qui est en même temps officielle, parce qu'elle n'est pas souterraine. Ce n'est pas de la contrebande, ils sont là, ils savent. On sait que telle usine appartient à tel officier. Et cette armée, en plus, contrôle l'économie des 29 provinces. Alors, et les entreprises industrielles de l'État, en plus, dont la direction est confiée à des officiers. C'est-à-dire que finalement, pour remercier un officier, et surtout pour l'occuper, pour ne pas faire un coup d'État, ou penser à changer le régime, Moubarak nommait tel général directeur adjoint de, je sais pas moi, l'usine de montage de voitures, l'autre. Et c'est ainsi que cette armée a quelque chose en plus de concurrentiel avec l'économie réelle, visible du pays, c'est que la main-d'œuvre de cette armée, ce sont les soldats, donc elle est gratuite, parce qu'elle est payée par l'État, disons le ministère de la Défense. Vous prenez vos soldats et vous en faites des ouvriers dans votre usine et vous ne payez rien. Donc cette situation fait qu'elle a une conséquence assez dramatique. C'est un pays qui n'est plus protégé par l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un déclin de la capacité tactique et opérationnelle de cette armée. Ils sont incapables de bien utiliser par exemple les F-16 et les tanks M1A1 fournis par l'Amérique par exemple. Et puis ils sont dans des garages. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une Égypte qui a 84 millions d'habitants, et une partie
de paysans analphabètes, un parti islamiste des frères musulmans qui est implanté, qui est né en Égypte en 1928 et qui a milité depuis 80 ans, qu'il milite partout pour arriver au pouvoir. Les frères musulmans sont partis d'un point de vue assez honnête. Et ils ont dit ce que nous voyons, nous, aujourd'hui, à l'époque, n'est pas recommandable pour le peuple. Nous sommes pour une hygiène morale contre la corruption, contre la dégradation des relations morales et humaines entre les gens. Donc les frères musulmans sont arrivés un petit peu pour donner à l'Égypte un visage un peu plus spirituel, un peu plus humain. Mais comme Nasser, en 1952, est arrivé au pouvoir avec les nouveaux officiers, il a lutté contre tous les opposants, les marxistes, la gauche, il les a torturés ou exilés ou assassinés, parfois exilés dans le désert, et puis les frères musulmans, il a lutté contre eux et il a surtout arrêté l'un de leurs dirigeants qui a été pendu en 66, je crois, qui a été pendu publiquement. À partir de ce moment-là, c'est devenu un grand martyr, et les frères musulmans ont acquis une force, une puissance populaire, ce qui fait que, comme tous les islamistes dans tous les pays arabes, les frères musulmans ont été présents dans le social, dans la solidarité sociale, ce qui fait que, lorsque Moubarak est tombé, eh bien, alors que aucun des partis islamistes dans aucun des pays n'avait initié ni participé aux révoltes de décembre, janvier, février, etc. C'est-à-dire que, à tel point moi, que j'avais écrit à l'époque un article pour dire le logiciel islamiste est périmé, il ne va plus fonctionner. C'est un peu vrai, parce que ceux qui vont arriver au pouvoir ne vont pas utiliser le même logiciel que celui de leur précédent dirigeant. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans les frères musulmans, par exemple en Égypte, il va y avoir une division, un antagonisme entre les jeunes, surtout des jeunes frères musulmans qui viennent d'Amérique ou d'Europe, qui ont fait des études, et qui dirigent parfois des entreprises, qui vont rentrer dans le pays et qui vont demander à participer au pouvoir. Et puis les autres, les vieux turbans, qui eux, sont un petit peu dépassés. Alors ceux qui aujourd'hui arrivent au pouvoir, ce sont surtout ces jeunes qui se sont opposés à leur anciens dirigeants qui ne sont plus, dans le sens d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'Égypte attend des élections présidentielles. Le pouvoir militaire ne flanche pas, il ne veut pas remettre le pouvoir à la civile. Il dit, on verra ensuite, ce que va donner l'élection présidentielle. Mais apparemment, soit comme en Tunisie, l'Égypte se dirige vers un gouvernement islamiste qui ne sera pas un gouvernement modéré, parce que islamiste modéré, ça ne veut rien dire. Hein. Islamiste, c'est un point de vue religieux. Or, en tant que laïque, moi j'ai toujours dit que la religion doit rester dans les cœurs pour ceux qui croient, ou dans les mosquées, ou dans les synagogues, ou dans les églises, ne doit pas participer à la politique, la place publique. Donc, il va y avoir des islamistes. Et puis, alors, quand on donne ces exemples, et quand on voit le cas de la Libye, comme j'ai dit tout à l'heure, la Libye, malheureusement, avec Kadhafi, qui pendant 42 ans a détruit ce pays, détruit, c'est pas le mot, disons qu'il a mis sous une couveuse
un pays qui est resté fixé, comment dire, figé dans les années 60. Moi, j'ai visité la Libye il y a quelques années. Je me suis cru dans un film, on est en train de tourner un film, vous savez, retour en arrière, machin, dans les années 60, 50, 60, avec une sorte de d'apathie, de défaite. Vous vous rendez compte, par exemple, en Libye, du temps de Kadhafi, les salaires étaient extrêmement bas. Un professeur d'université touchait 100 dollars par mois. En même temps, le Kadhafi dit, de quoi vous plaignez? Le sucre, l'huile, la farine, c'est à 3 centimes le kilo ou le litre. Le pétrole, c'est même pas 3 centimes, 4 centimes. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le logement, c'est gratuit. Évidemment, quand on possède tout un peuple, tout un pays, avec ce système totalement irrationnel et fou, ce qui manque le plus, c'est quoi? C'est le superflu, c'est la liberté, c'est la fantaisie, c'est le fait de pouvoir sortir du pays et aller se balader, aller voir ce qui se passe. Non, plus personne ne sortait du pays parce que, je me souviens de ce professeur d'université, il me dit, je ne peux pas venir à la Sorbonne. Moi, je me dis, mais mon rêve, c'est la Sorbonne, d'aller visiter la Sorbonne. Il me dit, mais je ne peux pas avec 100 dollars. Le prix du billet, c'était quelque chose comme 800 euros à l'époque. Alors, avec ça, il a maintenu le pays dans une espèce d'anesthésie générale. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tribus. Il y a à peu près 6 tribus principales qui tiennent le pays. Et qui parlent de tribus, parlent d'antagonisme. Vous ne pouvez pas instaurer un système politique, le système des partis, quand vous avez des tribus. Les tribus, elles sont très implantées, enracinées dans des lieux bien situés géographiquement, etc. Et chacune s'oppose à l'autre. Et bien sûr, il y a des guerres tribales, ce qui est inquiétant. Et il n'y a pas eu de... Donc il n'y a jamais eu de parti politique, jamais de syndicat, ni ouvrier, ni étudiant, ni rien. Il n'y a jamais eu de contestation officielle. Toute opposition a été liquidée dans le silence total. Personne n'en parlait, on n'en parlait jamais. Les gens disparaissaient. Et puis il y a eu... Il y a eu l'époque du grand terrorisme kadhafien qui a été, vous savez, Kadhafi a toujours eu comme lubie le fait d'instaurer les révolutions à partout dans le monde. Il avait envoyé de l'argent à l'IRA, les Irlandais, il a envoyé de l'argent aux Basques, à l'ETA, il a envoyé de l'argent. Partout où il y avait un mouvement séparatiste révolutionnaire, il lui a envoyé de l'argent, il le finançait. Il a financé Carlos, le terroriste, le fameux terroriste. Il a financé beaucoup de terrorisme, et puis il en a fait lui-même. Alors, quand il a fait abattre l'avion de la Paname à Lukerbi, il y a eu quand même 277 morts, et comme il a fait abattre une bombe dans l'avion de l'UTA français qui s'est écrasé dans le désert, eh bien, bon, pour une fois, on a pu, la justice américaine, anglaise, française, ils ont pu, la justice a pu démontrer la culpabilité de la Libye, et voilà que, en 2003, Kadhafi, après avoir vu ce qui s'était passé pour Saddam Hussein en Irak, décide de payer. Il a payé 2,7 milliards aux familles américaines et il a payé 117 millions seulement aux familles françaises. Et la France a accepté. Les Américains ont accepté et ils ont innocenté ou acquitter le criminel Kadhafi. Et c'est là où les peuples, enfin les États européens, c'est là où l'Amérique ont été
les deux ont été totalement complices d'un grand criminel. De deux choses l'une. Ou bien Kadhafi est innocent, il ne fallait pas qu'il paye. Ou bien il est coupable, il fallait qu'il soit jugé et condamné. Mais accepter qu'il puisse payer avec beaucoup d'argent, réparer, soi-disant, on se réparait, on dit on répare par la mort, enfin. Et ça, c'était une des graves erreurs faites par Bush et par Chirac à l'époque. Alors, d'où vient d'abord cette histoire de ce qu'on appelle la dette du sang? En Libye, il y a des traditions, aussi un crime fait divers. Un homme tue l'amant de sa femme, ou une femme tue, je ne sais pas, enfin, bref, il y a un crime. Qu'est-ce qui se passe? La justice n'intervient pas. Ce qui intervient, ce sont les deux tribus. Enfin, la tribu, par exemple, à l'intérieur de la même tribu, eh bien, les grands seigneurs se réunissent et décident, bon, ils négocient. Ça coûte combien? Tant, ils payent. Et puis, le criminel, il est mis un peu à l'écart pendant un an ou deux. Il dit, ben, va un peu voyager à l'intérieur du pays, il ne revient pas. Il revient. C'est une tradition tribale du pays. Et Kadhafi l'a utilisé pour régler un problème majeur qui était quand même le terrorisme international qui a fait que plus de 350 personnes sont mortes comme ça, innocemment, parce qu'un criminel a décidé de mettre des bombes dans ses avions. Donc la Libye, son avenir, c'est quoi? Moi, évidemment, on s'est débarrassé de Kadhafi. C'est un bon débarras. Malgré tout ce que j'ai dit, et Dieu sait si j'ai été horrifié par la manière dont Kadhafi a été exécuté, moi j'aurais aimé que Kadhafi soit arrêté et jugé, comme Saddam, et jugé par un tribunal libyen ou un tribunal international, peu importe, mais jugé pour que les enfants qui regardent ça sachent ce qui s'est passé. Or Kadhafi a été exécuté à la Kadhafi, comme lui il l'aurait fait avec les autres, ni plus ni moins. Donc, de violence à violence. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai très peu d'espoir de voir la Libye aller vers des lendemains meilleurs, dans la mesure où cette violence a été comme un petit peu le signal d'une défaite de la démocratie dans ces pays-là. Parce que s'ils avaient pu prendre, à ce moment-là, être assez forts, enfin, je peux le conseil intérimaire, aurait pu arrêter cet homme et le juger, on aurait pu être dans une réelle, disons, ère de nouvelle justice. Ça n'a pas été fait, et c'est pour cela que je suis un peu inquiet pour l'avenir de la Libye, parce que, avant qu'ils fassent une constitution, avant qu'ils aient des élections, eh bien, déjà, ils vont s'inspirer de la charia dans leur constitution, comme l'Égypte. Alors, il reste deux pays dont il faut parler rapidement. Il faut dire quelques mots sur le Maroc. Alors, l'Algérie, bon, je n'en parlerai pas. Mais le Maroc. Alors, le Maroc, tout le monde a dit, oui, mais le Maroc, il n'a pas connu le printemps, etc. Bon, c'est vrai que le Maroc, il y a eu des manifestations. Parce que au Maroc, il y a des problèmes, bien sûr, des problèmes comme partout dans le monde arabe, des problèmes de corruption, des problèmes d'injustice, des problèmes de violence, mais en même temps, on a la chance, moi je le dis publiquement, d'avoir un roi très intelligent et très sensible à l'état de son peuple. Il a anticipé les demandes et les revendications des manifestants, en provoquant en proposant une nouvelle constitution et en instaurant des élections anticipées qui ont eu lieu il y a quelques mois, en novembre, et qui ont donné comme majorité un parti, le parti de justice et développement, qui est islamiste, et qui gouverne aujourd'hui le pays avec, en collaboration
avec le parti des Sucres, qui est le parti traditionnel de droite, qui est nationaliste, avec le parti du progrès et du socialisme, qui est l'ancien parti communiste, et avec le parti berbère. Donc, le gouvernement actuel, il y a 11 ministres, il y a 11 postes donnés aux islamistes, et les autres sont partagés avec d'autres partis. Ce qui fait que nous n'avons pas encore un système islamiste à l'égyptienne, totalement islamiste, ou à la tunisienne. Nous avons un système où l'islamisme s'installe comme une sorte de, comment dire, de lutte contre la corruption, parce que c'est un peu l'idée de base de cet islamisme-là. Et évidemment, nous avons deux choses pour que cet islamisme ne devienne pas du fanatisme. D'abord, nous avons un roi moderne qui, lui, n'a aucun intérêt et ne veut absolument pas que le Maroc devienne un pays fanatique où on va lutter contre ceux qui ne sont pas islamistes. Et deuxièmement, nous avons un mouvement laïque, le mouvement du 20 février, qui continue de manifester tous les dimanches pour mettre la pression pour qu'il n'y ait pas de dérive antidémocratique. Mais encore une fois, ce n'est pas la démocratie qui a amené le PhD au pouvoir, comme je disais tout à l'heure, c'est la technique démocratique. Mais le Maroc est en voie de démocratisation. On est en train d'apprendre ce que c'est la démocratie. Peut-être que nos enfants sauront ce que c'est. Mais pour le moment, encore une fois, ce qui se passe au Maroc, c'est un apprentissage du vivre ensemble. Parce que nous sommes différents, il y a beaucoup de tendances, et le fait que l'islamisme arrive au pouvoir, nous allons voir ce qu'il va faire. Et je pense, comme beaucoup de gens, que cette étape est nécessaire. Soit ils réussissent, et on va applaudir, parce que réussir c'est quoi? C'est éradiquer la corruption. Moi je dis, si l'islamisme arrive à éradiquer la corruption, eh bien à ce moment-là, on ne peut qu'applaudir, parce que c'est fantastique. S'ils échouent, ben, tant pis, il y aura de nouvelles élections. Donc, le roi, il suit ça de très près. Il est démocrate, il est moderne, rien à voir avec son père, bien sûr. Et puis, en même temps, il y a une vigilance. On est tous vigilants, y compris les intellectuels, y compris le mouvement du 20 février, qui ne laisse rien passer. Vous savez, il y a des manifestations tous les dimanches dans plusieurs villes du Maroc où ils contestent, où ils réclament un certain nombre de choses qui sont fondamentales pour qu'il y ait un état de droit. Nous, ce qui nous intéresse au Maroc, avant toute chose, c'est que l'état de droit s'instaure d'une manière définitive. À partir du moment où nous sommes dans un état de droit, eh bien, nous pouvons avancer. Et si la démocratie arrive petit à petit à donner le pouvoir à tel ou tel parti, nous accepterons le résultat des urnes. Mais pour le moment, le Maroc lutte pour qu'il y ait l'état de droit, ce qui est fondamental. Bien. Je pense que je suis assez conscient que le problème majeur du Maroc, en dehors de la corruption, c'est le problème de l'éducation, le problème de la santé. Mais par ailleurs, les infrastructures sont en marche. L'économie est en marche en général. Il y a ce problème de l'éducation, de la santé et de la corruption qui sont vraiment les cancers de ce pays. Parce que le problème de l'éducation est un problème qui n'a pas été traité ni posé comme problème. Nous avons un problème linguistique. Nous sommes bilingues dans la vie et puis monolingues à l'école. Enfin, il y a beaucoup de ce genre de problèmes. Et en même temps, il y a des nostalgiques de l'ancienne époque. Il y a des bavures policières. Par exemple, le fait de mettre en prison les journalistes est indécent. C'est quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas mettre aujourd'hui des journalistes en prison parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. On ne peut pas interdire des livres ou des revues parce qu'avec Internet aujourd'hui, vous interdisez un livre, au contraire, vous lui rendez service parce que tout le monde va se précipiter sur Internet pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui font que le Maroc a parfois une mauvaise image parce qu'on ne se rend pas compte que cette censure, elle est stupide, elle n'a pas de sens. Et je suis sûr que
il gagnerait beaucoup plus à ne plus toucher les journalistes, la presse et la liberté d'expression. Alors, la Syrie. Malheureusement, toutes les éventualités que nous avons tous émises ne sont pas révélées justes. Parce que tout le monde a pensé, ah ben la Syrie maintenant, Bachar Assad va connaître le sort de Saddam, va connaître le sort de Kadhafi, rien du tout. Pourquoi? Alors, tout à l'heure je disais à Jacques avant de rentrer ici, j'ai dit, moi je trouve que les Nations Unies, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Parce que si les Nations Unies ne peuvent pas sauver un enfant qui reçoit une bombe alors qu'il dort, qu'il n'a rien fait, et même s'il avait fait, eh bien, je trouve que ça ne sert à rien. Il faut le dire et le redire, les Nations Unies, c'est une escroquerie internationale où ils se réunissent entre eux. Alors, il y a le truc qui le veto. Alors, ainsi, on se réunit, puis un russe dit, « Ah non, 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 il ne faut pas toucher la Syrie. » Eh bien, « Ah d'accord, monsieur, excusez-nous, on vous a dérangé, très bien. On ne touche pas la Syrie. » Mais c'est quoi ces Nations Unies? C'est quoi? C'est-à-dire c'est l'assemblée de toutes les nations civilisées. Et parce que les Russes ont des intérêts, les Chinois ont des intérêts en Syrie, eh bien on permet un massacre programmé, quotidien, des milliers et des milliers de morts. L'ONU a comptabilisé 9 000 morts. Mais l'autre jour, j'écoutais un médecin, il m'a dit, mais ce qui a été comptabilisé, ce sont les morts officielles. On ne parle pas des milliers d'autres morts qu'on a enterrés de vitesse. On ne parle pas des blessés que l'ordre a été donné de ne pas les soigner pour qu'ils meurent de leur souffrance. Et ça se passe aujourd'hui. Alors, évidemment, Bachar al-Assad est un digne héritier de son père. Son père a fait beaucoup mieux. Lui, en 82, tranquillement, il a appris que les opposants se réunissaient à Hama. Il y avait 2000 personnes, dont des islamistes. Il a dit, laissez-les se réunir. Une fois que tous étaient réunis, il a encerclé la ville et a tué tout le monde. 20 000 morts. À l'époque, aucun journal n'a apporté l'information. Ce n'est 6 mois plus tard que le Canard enchaîné, avec un témoignage qui est arrivé par des voies compliquées, on a appris ce qui s'était passé. Bon, maintenant, lui, Bachar, il n'a fait que 12 ou 13 000 morts, c'est pas beaucoup. Son père en a fait 20 000 en une seule nuit. Puis ça fait 10 mois, il continue. Donc il n'a aucune raison de s'arrêter. D'autant plus que, malheureusement, l'armée de libération, celle qui est désertée, celle qui a quitté le pouvoir, vient de subir un grave échec à Homs. Alors il continue. Et puis, ayant avec lui la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée, bon, la Corée elle est loin, mais enfin l'Iran quand même c'était prêt, parce que l'Iran, il finance le Hezbollah, le parti qui est installé au Liban. Donc, il est dans une position stratégique où il peut continuer à massacrer tranquillement. Et alors, hier, le pauvre prix Nobel de la paix, Kofi Annan, a fait le voyage, il a reçu, ils étaient tous les deux avec de belles cravates, ils sont installés, ils sont assis, ils ont parlé pendant une heure. Mais il ne connaît pas ce que c'est que Bachar al-Assad. Il va repartir à New York avec rien. Parce que déjà, il y a eu la Ligue arabe qui est allée. Ils ont fait des enquêtes et tout, ils sont repartis les mains dans les poches, rien. L'Amérique, ils n'ont rien à foutre. Bref, nous assistons à des massacres quotidiens et nous ne pouvons rien faire. Alors, ce n'est ni un printemps ni un hiver, c'est une tragédie. Et la Syrie va malheureusement démentir tous les espoirs que nous avions auparavant dans ces révoltes. Parce que là, nous avons affaire à quelqu'un qui est structuré pour tuer. C'est-à-dire que le clan Alaouite, qui représente 10% de la population, a été instauré avec une idéologie baathiste, c'est l'idéologie de son père, avec la même idéologie que celle
de l'Irak, qui était au départ une idéologie inspirée du marxisme, mais laïque, mais qui petit à petit est devenue une idéologie totalitaire où le seul compte l'armée et le dirigeant. Alors, le Bachar al-Assad est très, très bien installé. Il a son clan entre les tribus, Alawite qui est bien armé et qui ne va pas le lâcher. Et puis, quand il voit que l'Amérique ou l'Europe s'agite, c'est très simple. Je tombe, je fous l'enfer dans toute la région. Il est capable de créer une situation infernale dans toute la région parce que, d'abord, il y a 1 million de chrétiens qu'il va lui-même liquider en disant que ce sont les islamistes qui les liquident. Il est capable de tout. Alors, nous avons affaire à quelqu'un d'extrêmement dangereux et j'ai su par quelqu'un qui travaille aux Nations Unies, que le deal pour qu'il puisse accepter Kofi Annan, c'est que surtout qu'il ne demande pas de partir. Alors, quand on fait de telles concessions, ben, il n'y a plus rien à faire. Bon, on peut rigoler et imaginer un James Bond arriver comme ça, un attaque, et puis prendre le Bachar al-Assad et tuer. Ben, non. Ça, c'est du cinéma. Malheureusement, nous en sommes très, très, très loin. Ce qui prouve que, d'abord, les Libanais, qui sont les voisins de la Syrie, j'étais pas mal au Liban, ils craignent d'une façon terrible des répercussions, quelle que soit la situation, des répercussions directes, parce que le Liban vit dans une tension permanente depuis 2005, où la Syrie a été éjectée du Liban. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'y revenir. Et alors, ce qui est le pire dans la situation libanaise, c'est qu'il y a des Libanais qui travaillent pour les Syriens. Et puis il y a le Hezbollah, qui est financé par l'Iran et la Syrie, qui est là, sur place, au Liban. Donc, le Liban, il a une trouille que l'explosion syrienne le bouleverse tout nouveau et qui est de nouveau une guerre civile. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la Jordanie. La Jordanie, d'abord, c'est un petit pays. Il ne veut pas avoir l'histoire, il ne peut pas. C'est un tout petit pays. L'Irak, qu'est-ce qui reste? L'Irak, il y a la guerre continuelle, permanente, entre les chiites et les sunnites. Ça, c'est la démocratie que M. Bush nous a amenée dans ses avions. Qu'est-ce qui reste alors? Israël. Ah, Israël, c'est un cas très intéressant. Parce que Israël s'entend très bien avec Bachar al-Assad. Elle n'a pas envie que Bachar tombe. Même si il y a intérêt. Parce que si Bachar tombe, ça veut dire que c'est un échec pour l'ennemi héréditaire d'Israël, qui est l'Iran, qui est l'appui immédiat de la Syrie. Et du Hezbollah, contre lequel elle a envahi le Liban en 2006, quand même. N'oublions pas ça, elle a fait 3300 morts au Liban. Pour lutter contre qui? Contre le Hezbollah. Et pourtant, Israël ne bouge pas. Ce qu'il fait maintenant, il prépare l'attaque contre les Iraniens. Bon, ça va être une autre partie de plaisir. Il reste la Turquie. Alors là, c'est intéressant, parce que la Turquie peut faire très mal à la Syrie, enfin à Bachar al-Assad. Après tout, mais les Turcs disent, mais pourquoi on va s'emmerder à aller faire... On va s'emmerder pour les Arabes. Parce que les Arabes n'ont pas de très bonnes relations avec la Turquie. Voyez un peu la situation, elle est totalement bloquée. D'un côté, la Ligue arabe n'a rien réussi. Les pays du Golfe, ils menacent, ils insultent tous les jours Bachar al-Assad dans la télévision Al Jazeera, surtout les Qataris. Bon, les autres, ben, chacun a ses problèmes. Et pendant ce temps-là, des milliers d'innocents meurent tranquillement. Alors, ça fait une heure que je parle. Donc, je fais un peu un panorama assez rapide, mais ne croyez pas que je sois pessimiste. Je dis simplement que quand il y a des révoltes, quand il y a des bouleversements radicaux dans des pays, on ne peut pas, du jour au lendemain, passer du noir au blanc. Il va y avoir une étape d'une génération au moins, où il va y avoir du désordre, des hésitations, des expériences. Peut-être que l'expérience islamiste va être bien, j'en sais rien.
Moi, je suis contre, mais bon, moi, je peux me tromper. Mais on va voir. Mais on ne peut pas réclamer aujourd'hui de ce peuple, du jour au lendemain, qu'on passe d'une dictature obscurantiste, corrompue et voleuse, à un printemps radieux et formidable. Bon, forcément, il va y avoir des déceptions, mais il faut viser le plus long terme. Le plus long terme, c'est-à-dire, nous avons fini avec les dictatures. Je pense que, bon, mis à part le cas de la Syrie qui est très complexe, je pense que les peuples maintenant sont aguerris, les peuples, ils ont su ce que c'est que mettre dehors Ben Ali, Gaddafi, Moubarak, et même le Yémeni, je ne vais pas parler ni de Bahreïn d'ailleurs, il y a d'autres problèmes. Enfin, j'ai parlé sur des pays les plus en vue actuellement. Donc, ça, c'est comme un antécédent qui donne espoir et qui permet de dire que sur le long terme, dans une génération, 10, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, le monde arabe, eh bien, peut-être aura terminé avec cette époque d'indignité, cette époque de dictature, d'humiliation permanente. Et là, évidemment, l'image symbolique extraordinaire de Mohamed Bouazizi qui s'enflamme et qui meurt, eh bien, va devenir une référence parce que c'est quelqu'un qui a dit kifaya, c'est-à-dire basta, à l'humiliation, y compris en s'immolant par le feu. Donc c'est quelque chose qui va probablement être inscrit dans l'histoire du monde arabe et que ce monde arabe ne va pas rester dans cette malédiction dont on a parlé tout le temps à propos de ces peuples. Pourquoi ces peuples resteront, pourquoi ces peuples ne méritent-ils pas de vivre dans une réelle démocratie où les droits de l'homme sont respectés, où l'individu aura émergé, sera reconnu et respecté, où la femme aura ses droits comme l'homme, où tout le monde peut s'exprimer, avec bien sûr un vivre ensemble qu'on aura construit nous-mêmes, mais dans la perspective du progrès et surtout du respect mutuel. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Claire Benjelloun, d'avoir éclairé notre lanterne aussi évidemment et brillamment, bien sûr, mais surtout avec cette lucidité qui vous caractérise et votre formidable clarté d'expression qui a fait que nous avons tous pu suivre le développement de cette gigantesque masse d'informations ramenée à une heure de propos. Et ça rejoint le caractère pédagogique dont je vous parlais à propos de l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents. Il est très probable, je souhaite en tout cas, que des questions viennent de la salle, surtout poser d'abord la première question. Il y a quelqu'un qui doit s'immoler par le feu. Ah, monsieur est là déjà. Eh bien, c'est formidable, c'est pour notre printemps arabe. Alors, posez votre question. Et alors, une petite remarque, c'est qu'on ne demande pas des conférences alternatives. Ce sont de vraies questions. Bonjour, tout d'abord, merci Monsieur Benjelloun et merci à l'association pour vraiment cette conférence très intéressante. Je m'appelle Moi Loussama Emen et étudiant à l'Université catholique de Louvain en Master of Diplomatie. Et ma question est la suivante, Monsieur Benjelloun, ne pensez-vous pas que ce qu'on pourrait communément appeler un printemps arabe, pour moi n'est pas un printemps, on peut déjà passer à l'hiver, je pense. Ne pensez-vous pas qu'il met face l'Europe à ses responsabilités? Car en effet, suite au traité de Lisbonne, donc de 2009, qui mettait en effectivité donc, le service européen d'action extérieure, on a bien vu que l'Europe n'était absolument pas efficiente et qu'elle n'a pas su agir au moment où elle devait agir. Alors, effectivement, vous direz qu'on n'a pas besoin d'un paternalisme européen, mais ne pensez-vous pas qu'on puisse peut-être maintenant commencer à parler d'un printemps européen? Un nouveau printemps européen. Et ma deuxième question, et j'irai vite et je termine par là. Vous parliez d'un cas très intéressant tout à l'heure qui était le cas
d'Israël. J'arrive de la foire du livre où j'ai acheté un livre au stand d'Israël qui s'appelait « Et s'il y avait eu un printemps israélien ?» Donc, d'une femme israélienne qui écrit une amie palestinienne. Effectivement, apparemment, un espace de discussion, aussi paradoxal que ça puisse paraître, a été ouvert justement entre les Palestiniens et les Israéliens. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors là, l'Europe, dans quel état elle est, il faut non plus voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a une Europe de 27 pays, et puis il y a une petite Europe qui agit, qui est un noyau dur. Évidemment, certains Européens, les Français, un peu les Belges, un peu les Italiens, un peu les Espagnols, ils sont un petit peu mal à l'aise avec ce printemps arabe parce que ça a été quand même assez lamentable, la politique de ces pays vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de ces pays pendant longtemps, où finalement, comme je l'ai dit, ils ont soutenu ces dictatures tranquillement. Et puis, il ne faut pas croire non plus qu'à la générosité gratuite de l'Europe, l'Europe défend ses intérêts. On l'a vu dernièrement avec l'accord de la pêche au Maroc. Alors vous savez que tant que le Maroc laissait ses côtes ouvertes aux bateaux espagnols et d'autres pour prendre tous les poissons, le Maroc était sympathique. Le jour où il a dit oh, il y en a marre, le Maroc est devenu un pays un petit peu dérangeant. Donc vous savez, il ne faut pas croire. Le rapport Nord-Sud n'est pas aussi clair qu'on le pense. Et le cas du Maroc est intéressant parce qu'il est à la frontière avec l'Espagne et on voit les difficultés que les Européens, enfin Espagnols, mettent à l'égard des produits marocains pour traverser l'Espagne, pour aller vers d'autres pays. Il y a tout le temps, on essaie par tous les moyens plutôt de préserver ses propres intérêts que ceux des pays du Sud. Alors, le printemps israélien, bien sûr qu'il y a eu un printemps israélien avec une contestation sociale, c'est là, pas politique, sociale, mais encore une fois, le peuple israélien est beaucoup plus en avance sur ses dirigeants, il est beaucoup plus pour une paix négociée avec les Palestiniens, avec deux États, un Palestinien et un Israélien, bien sûr en redonnant les territoires occupés aux Palestiniens, mais malheureusement, encore une fois, la démocratie israélienne est telle que ce sont les fanatiques, les extrémistes qui arrivent au pouvoir, et ce sont eux qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une paix entre les Palestiniens et les Israéliens, pour des raisons, il faudra une autre conférence là-dessus. Mais disons que moi j'ai toujours eu d'excellents dialogues avec les intellectuels, les écrivains, israélien sur le problème de la paix, mais malheureusement, eux-mêmes sont en but à leurs dirigeants, ainsi comme Netanyahou est un guerrier avant toute chose et qui s'apprête à attaquer l'Iran. Je lui souhaite du plaisir parce que les Iraniens, ce ne sont pas des Arabes, c'est autre chose, et à mon avis, il est en train d'engager l'Amérique dans une aventure dont il ne connaît pas les conséquences, et Obama part demain en Israël pour essayer de le calmer. Mais vu le caractère de Netanyahou, je ne pense pas qu'il sera calmé. Oui, je voudrais, s'il vous plaît, juste un petit mot quand même sur l'Algérie, parce que je vais rester sur ma faim. Et connaissant quand même l'Algérie avec tout le passé quand même douloureux. Pour l'Algérie, c'est dramatique. Ce que vous voulez dire, là, j'étais l'autre jour avec mon ami Sansal, qui est un très grand écrivain algérien, qui vit en Algérie, et qui me raconte des choses atroces. C'est un pays qui est tenu par une clique de militaires qui s'enrichissent et qui appauvrissent le peuple. Et que il faut dire que c'est un peuple qui est fatigué parce qu'il a subi comme une guerre civile pendant 11 ans, qui a fait plus de 200 000 morts, et qu'il n'a pas envie de se retrouver dans une guerre avec un régime aussi fanatique que le régime syrien. Il ne faut pas oublier, ça, ce sont des militaires qui tiennent le pays, ils ne vont pas lâcher demain. Donc l'Algérie est un pays qui nous est très cher parce que c'est notre voisin et que nous avons des liens
vraiment une fraternité. Les Marocains et les Algériens s'aiment beaucoup, mais les dirigeants algériens n'ont aucun intérêt à ce rapprochement. Et puis, vous savez, quand les militaires tiennent le pouvoir et font surtout des affaires, ils ne voient pas pourquoi, du jour au lendemain, ils vont l'abandonner et le donner à des civils. Et ils mettent un civil fantoche comme ça pour dire qu'il y a un président de la République, mais le jour où il y a eu un président de la République, Boudiaf, qui a voulu agir par lui-même, il a été assassiné. Il est resté 6 mois comme président. Mais enfin, moi, l'Algérie est un drame que nous vivons, nous, au Maroc, de manière douloureuse, parce que nos économies en pâtissent énormément. Et nous pourrions faire vraiment un marché commun maghrébin qui serait fantastique face au marché commun européen, mettre en symbiose nos capacités économiques, culturelles, et faire un front formidable, et bien il y a des dirigeants qui ne veulent pas de ça. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Après avoir lu plusieurs de vos ouvrages, j'ai une question qui me taraude là. C'est que, après une dictature militaire, la plupart des pays musulmans s'apprêtent à passer à la dictature religieuse. Alors, c'est vrai que le printemps arabe, là-bas, je ne le vois pas trop bien fleurir. Oui, mais ça, j'ai déjà dit mon point de vue là-dessus. C'est une étape par laquelle on est obligé de passer, parce que c'est... On ne peut pas inverser le cours des choses. On attend que la démocratie fasse son lit dans les mentalités. Et après, on verra. Monsieur, on parle peut-être autrement cette même idée. Est-ce que vous pourriez nous donner quelque espoir que l'islamisme retrouve les préceptes de l'islam et plus précisément ceux du Coran? Est-ce que l'islamisme retrouve les préceptes de l'islam et plus précisément ceux du Coran? Bah, écoutez, l'islamisme, c'est une interprétation littérale du Coran. Il y a plusieurs façons de lire un texte sacré, un texte religieux. Il y a la façon, je dirais, littérale, c'est-à-dire de prendre les choses au pied de la lettre. Et là, nous n'avançons pas. Et puis, il y a la façon métaphorique, symbolique de le lire. Et de garder cette lecture, l'essence principale qui est la spiritualité. Pour moi, une religion est avant tout une spiritualité. Un certain nombre de voies qui sont tracées par les hommes pour que le vivre ensemble devienne possible. C'est quoi? La religion, elle est basée sur l'amour. Or, le fanatisme se réfugie dans l'exclusion des autres, donc dans la haine. Le fanatique, c'est quelqu'un qui te dit, tu dois être comme moi, si tu n'es pas comme moi, si tu ne manges pas comme moi, si tu n'es pas la barbe comme moi, si ta femme ne se voile pas comme la mienne, etc., tu es un ennemi. Donc, forcément, ce qu'on appelle l'islamisme, c'est une déformation, une lecture littérale et dangereuse des textes. Parfois, vous savez qu'il y a des textes religieux musulmans qui sont aujourd'hui impubliables. Si on les publie aujourd'hui, ils seront censurés parce que le prophète a été un homme d'une très grande ouverture d'esprit. Il était le contraire de la fanatique. C'était quelqu'un qui a toujours essayé de comprendre la faiblesse humaine, qui a toujours essayé de défendre le pauvre, l'orphelin, comme on dit. C'est quelqu'un qui a été un homme concret, du terrain, c'est-à-dire qu'il a épousé, c'était un berger, ensuite il a épousé sa patronne qui était plus âgée que lui, Khadija, qui avait des caravanes, qui avait du commerce. Il a dû se battre contre ceux qui ne voulaient pas l'écouter, qui ne voulaient pas écouter son message, le message qu'il recevait de Dieu. Donc c'était quelqu'un de vraiment
humain. C'est pas comme le Christ est une image qui a été tout de suite mise dans une spiritualité absolue, temporelle, je veux dire spirituelle. Or le prophète était bien sûr le représentant d'une grande spiritualité, mais aussi quelqu'un qui a vécu comme n'importe quel être humain. Et dans le Coran, il y a des passages où il est question des erreurs et des faiblesses du prophète. On en parle pour dire que finalement, Dieu l'a choisi, mais c'est quelqu'un parmi nous, parmi tant d'autres. Et la force de ce prophète, il n'a jamais, jamais, dans aucun de ses textes, enseigné la haine et le fanatisme. Alors, quand aujourd'hui, on a des gens qui font une lecture caricaturale, ben on n'y peut rien. C'est l'ignorance et la stupidité, mais souvent l'ignorance, les ignorants sont beaucoup plus nombreux que les autres, hein, vous savez, c'est ça le problème. Monsieur. Merci, monsieur Tal Benjeloun, on a appris beaucoup, je pense que vous êtes un excellent conseiller pour tous, pour le monde arabe, mais pour nous aussi. C'est bien que cette fois-ci, l'aide, par exemple pour la Libye, est venue de l'Occident. Je pense que dans la question de la Syrie, le gouvernement et le peuple israélien doivent être avec le peuple syrien, parce que c'est en temps de choisir aussi le camp. Or, on est avec la Russie et la Chine. Or, on est... Et moi, je suis très content, je peux vous dire, comme Européen, que cette aide-là pour la Libye contre le dictateur est venue de l'Occident. Cet Occident avec tous ces problèmes-là. Mais il faut choisir le camp, et je pense que la société, au moins israélienne, doit réagir et réagir maintenant pour la Syrie. Bon, alors maintenant, je veux dire un mot quand même sur l'intervention conjointe de l'OTAN, etc., en Libye. Elle était nécessaire, bien sûr. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Le fait est que c'est le résultat. Parfois, la fin justifie les moyens. Le résultat, c'est que ce pays a été débarrassé d'un sale type. Bon, le prix à payer, on le saura un jour, parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Et on ne connaît même pas le nombre des victimes innocentes de ce conflit, mais le résultat est là. Bon. Et puis, monsieur là-bas. Monsieur Benjeloun, dans votre péroraison, vous êtes montré relativement optimiste. Le seriez-vous autant si vous étiez une femme? Non, mais... Pour moi, l'état civilisationnel d'un pays se mesure à la manière dont il traite la femme. Il est évident que, d'abord, je dirais un peu plus, je dirais que là où il y a civilisation, c'est que l'individu a été reconnu, il a émergé, reconnu. Or, dans la plupart des États arabes, l'individu n'est pas reconnu. C'est-à-dire que l'individu, c'est déjà unique et singulier, cette personne unique et singulière, qui fait qu'elle est reconnue en tant que telle. Elle a des droits et des devoirs. Et or, jusqu'à présent, ce qu'on reconnaît, c'est beaucoup plus la famille ou le clan ou la tribu. Et nous avons évidemment, au Maroc, l'individu commence à émerger, en Tunisie, il a émergé un peu, en Égypte, malgré tout, il émerge, mais on ne peut pas dire que nous sommes le lendemain de la Révolution française, où l'individu, quand même, a été la plus principale bénéficiaire de 1789. Voilà, monsieur et puis madame ici au cinquième rang. On a 5 minutes, il nous reste 10 minutes maximum. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'islamisme modéré. Donc, oui. Et vous êtes expliqué en donnant cette explication par l'interprétation littérale du Coran, etc. Donc, je voulais un peu savoir ce qu'il en est
quand même de cette interprétation métaphorique du Coran? Est-ce qu'il existe des intellectuels importants en nombre? Est-ce que ça représente quelque chose politiquement malgré tout, cet islamisme modéré? J'ai vu que le président ad interim, disons, de Tunisie est un ancien président de la Ligue des droits de l'homme. D'abord, je réponds rapidement. Il dit, nous avons par exemple Israël un parti intégriste et fanatique. On n'a jamais entendu dire quelqu'un d'un juif qui est modéré. On dit, c'est un juif, point à la ligne. Pourquoi? Il en est même des catholiques. J'ai jamais entendu dire. On dit, bon, les intégristes, mais maintenant les intégristes sont se réservent maintenant aux islamistes. L'islamiste modéré, ça n'existe pas, parce que pour moi, un islamiste, c'est quelqu'un qui a mal lu le Coran, c'est tout. Mais qu'il soit... Il n'y a pas de modération quand on lit mal. Pour moi, modération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va effacer certains aspects de la religion qui déplaisent. Quand on a des études du Coran qui sont critiques, évidemment, on ne les fait pas tellement circuler. Mais il y a eu en Égypte un musulman, un bon musulman, Ahmed Hamid, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, et qui a eu le courage de faire une lecture critique du Coran. Il a été condamné à mort par Al-Azhar, par l'instance islamique de l'Égypte. Il s'est enfui, il a vécu avec sa femme. Pays-Bas, il est mort de maladie aux Pays-Bas, mais c'est quelqu'un qui a osé dire certaines choses. Donc, quand ce sont les fanatiques qui sont au pouvoir, il est difficile que le rationalisme puisse s'exprimer. Mais au début de l'islam, après la mort du prophète, après que le Coran et tout, il y a eu un courant qui s'appelle les Mu'tazilites, qui ont essayé de faire une lecture rationaliste et symbolique du Coran. Malheureusement, ils ont été battus en brèche par les littéralistes, qui eux ont dit, c'est ça qu'on doit faire importantement. C'est une question de lutte d'influence. Voilà, nous allons essayer d'occuper les 5 dernières minutes avec 2 questions de 2 dames. Monsieur, voilà. Bon, monsieur qui est ici. Ah oui, il y a voilà, resserrez la question, on resserra la réponse. Non, attention, vous avez besoin d'un micro de toute façon. Et puis alors, irréversiblement, vous deux là. Oui. Est-ce qu'on aura un jour des nouvelles de Ben Barka, savoir ce qui lui est arrivé? Et puis pour les enclaves espagnoles, est-ce que ça va continuer à rester ou bien le Maroc va continuer à les tolérer? Ce qui est arrivé à Ben Barka? Oui, parce qu'il y a un omerta entre la France et le Maroc sur son sol. Et puis. Ben Barka, alors là, vous savez, c'est. C'est l'énigme du siècle. Bon, il y a eu tellement d'éléments là-dessus. Moi, je sais que le dossier reste en éveil et que la famille Ben Barka ne veut pas que le dossier soit enterré pour qu'un jour, j'espère qu'on saura vraiment la vérité. Mais ça m'étonnerait qu'on le sache un jour parce que tous les témoins sont morts, sauf Lopez, je crois. Il y en a qui sont morts dans leur lit, il y en a beaucoup qui sont morts dans la rue. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Voilà, madame, vous avez bouclé, madame et madame. Moi, je voudrais parler pour la condition de la femme en Égypte, parce que j'ai vécu la révolution depuis le début. J'étais 3 mois, depuis décembre jusqu'à fin mars, vu que ma fille travaille là-bas. Et les femmes étaient très nombreuses sur la place Tahrir. Oui. Elles étaient très, 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 très bien acceptées. Mais maintenant, il y a énormément de problèmes. Les femmes sont plus remêlées dans leur coin. Et alors, il est énormément par les frères musulmans. Je voudrais voir ce que vous pensez de cette condition. Et au départ, cette révolution a été faite par énormément d'universitaires. Absolument. Vous avez raison. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de contacts avec l'Égypte et avec des amis. Les femmes ont été fantastiques à la place Tahrir. Les mères et les filles, elles étaient les premières à descendre. Mais vous trouvez aussi des femmes qui sont fanatiques et islamistes et qui approuvent la répudiation, qui approuvent la lapidation, qui approuvent tous les préceptes stupides et insupportables. Donc, on est dans une position difficile. Mais je sais que dans les mouvements laïcs
qui aujourd'hui se battent contre l'islamisme en Égypte, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes du peuple, des femmes intellectuelles, des cinéastes. J'ai vu des films de cinéastes femmes formidables. Mais en même temps, c'est une lutte. Et ça ne va pas se gagner en quelques mois. Dernière question. Oui, dernière question, madame. Oui, bonjour. En fait, ma question, ça porte sur Al-Qaïda. J'aurais voulu savoir quelle était l'influence exacte d'Al-Qaïda et le rôle qu'il jouait dans les révolutions arabes. J'avais lu un article dans le Nouvel Obs sur Al-Qaïda qui était derrière le Qatar, la Ligue arabe, et je voulais savoir à quel point ils étaient importants. Vous savez, Al-Qaïda, c'est une officine extrêmement mystérieuse. On ne sait pas qui les finance, qui les dirige, qui décide quoi, qui recrute, rien. Un jour, peut-être on saura les choses. Mais Al-Qaïda est une entreprise de terrorisme international qui, vous avez remarqué, depuis quand même le printemps arabe, a commis peu d'attentats. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la mort de Osama Ben Laden, dans les conditions que vous savez, ne les a pas aidés. Mais en même temps, j'ai l'impression que le temps de l'Al-Qaïda est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du business en kidnappant des touristes dans le Sahel. Jusqu'à présent, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on trouvera un jour des hommes privés riches d'Arabie Saoudite ou du Qatar ou n'importe quel autre pays qui auraient financé des gens-là. Mais officiellement, on est sans information. C'est mystérieux, vous savez, c'est le terrorisme, c'est comme la mafia. On sait que ça existe, mais on ne sait pas où ça existe. Voilà, je vous remercie. On doit quitter l'instant parce que je crois qu'il y a autre chose qui doit se passer ici, dans un quart d'heure. Merci de votre attention. Nous venons d'assister à une intervention de l'écrivain Tahar Benjelloul sur le printemps et la révolution arabe. Qu'avez-vous pensé de son intervention? Alors, à la fois, il a brassé très largement la situation dans les pays du bassin méditerranéen et singulièrement en parlant aussi du Maroc, on sait pourquoi. Mais je suis un peu resté sur ma faim. Je suis un peu resté sur ma faim parce que, bon, évidemment, l'exercice était limité dans le temps. J'aurais voulu mieux percevoir le développement futur de ces révoltes, de ces révolutions. Et là, on sent bien qu'il est prudent, réservé, qu'il ne peut pas encore dessiner aujourd'hui, mais qu'il pourrait le faire d'ailleurs, dessiner l'évolution future de ces pays. En somme, l'Europe est très ignorante, très peu au fait des véritables forces qui agissent dans ces différents pays. Et je ne crois pas qu'on puisse généraliser d'un pays à l'autre. Je ne crois pas que la situation de la Tunisie soit celle de l'Égypte, que celle du Maroc soit celle de l'Algérie, et ainsi de suite. En somme, trop souvent, les pays européens s'en sont tenus à l'assurance d'avoir des interlocuteurs de façade qui leur garantissaient soit la stabilité des pays, c'était des pouvoirs faits, soit qui leur disaient que les forces démocratiques allaient construire l'avenir de ces pays. Or, je crois qu'il y aura sans doute une longue période d'incertitude et que l'Europe va devoir s'interroger quant à la manière de se positionner ou d'accompagner ces évolutions. Et peut-être que l'Europe n'est pas la mieux placée toujours pour accompagner ces évolutions, car il manque sans doute de connivence entre les véritables forces intellectuelles, universitaires, qui sont peu nombreuses dans un certain nombre de ces pays, et nos mouvements d'opinion. Et je crois que là, il y a une véritable interrogation à faire, une interrogation pour savoir comment on peut accompagner encore la formation de ces jeunes, car je crois que tout commencera par la formation de ces jeunes. Et tous les pays européens qui veulent limiter l'accès aux formations, soit dans notre pays, soit en soutien à ce qui se fait dans ces pays, se trompent. Je crois que le véritable enjeu démocratique sera le niveau de formation des générations futures.